Alléluia. Est-ce que quelqu'un est libre ici ce soir? Est-ce qu'il y a une Marie libre de la peur ici? Est-ce qu'il y a une Esther? Elles sont pas beaucoup, hein? Et les Déborah, elles sont où? Ruth est où? Et maman Anne est où? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous saluons ce soir la présence de maman pasteur, maman Rachel de El Jadida, qui est venue pour passer ce moment avec nous. Est-ce que nous pouvons l'acclamer pendant qu'elle se lève? Vous la saluez, c'est maman Rachel d'El Jadida. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prête ce soir? On parle de quoi ce soir? Ce soir, on va aller en profondeur. Ça sera peut-être calme, mais ça sera profond. Alors, dis à ta voisine, ne dors pas. On est venu pour te soigner ce soir. Il y a une chirurgie qui va s'opérer en toi ici. Alléluia. Alléluia. C'est une soirée de profondeur. Une soirée de cœur à cœur. Une soirée où on va aller dans l'intimité de la femme. Pour que Dieu la soigne. Pour que Dieu te soigne. Alors, hier, nous avons montré la merveille qu'est la femme. Et nous avons dit qu'elle a été faite pour être quoi? Consolation, oui. Douceur, oui. Joie, oui. Patience, oui. Soumission, oui. Fidélité, endurance, fidèle, c'est le... Multiplication, Rocher, Joie, on a déjà dit. On est à 8. Il reste encore 2. Soutien. C'est ça, Rocher, là. C'est aide. Aide, 9. Soumission, j'ai déjà cité. Ça, on a déjà cité. Parfaite. Bon, c'est tout ça qui fait parfaite, là. Je crois que je ne vous ai pas donné 2 choses. Décoratrice. Est-ce que j'ai parlé de ça hier? Je vais parler. Et pour ça, on se dit, mais non, tu nous as pas dit ça? Décoratrice. Elle embellit. Elle embellit. C'est pour ça, oui. On a parlé d'embellissement, mais je n'ai pas sorti le mot décoratrice. Parce que j'ai tapé dans mon PC embellitrice et puis on a dit que ça n'existe pas. Donc j'ai dit c'est décoratrice. Je vends souvent des mots comme ça. Est-ce que j'ai parlé d'organisatrice? Celle qui améliore les choses. Si, je pense que j'ai dit au moins améliorer. Voilà. Et je n'ai pas dit une enseignante, une éducatrice des générations à venir. Une femme, c'est une personne qui éduque des enfants et donc qui éduque une génération encore à venir. Donc, il faut qu'elle soit pleinement équilibrée pour transmettre aussi quelque chose de bon. Donc, il y a 12 vertus que Dieu attend de chacune de nous. Je vais recommencer pour qu'on les ait toutes les 12. La douceur dans les paroles, la consolation pour notre fils, pour notre mari, la patience, troisièmement. Quatrièmement, l'endurance, la fidélité, c'est tout ça, c'est tout, c'est encore le 4. Cinquièmement, un rocher, une protectrice pour son mari. Sixièmement, une aide, un soutien. Septièmement, sa joie. Huitièmement, la multiplicatrice par les enfants, multiplicatrice par tout ce qu'elle reçoit. Si l'homme lui donne de bonnes paroles, elle va lui donner la maison la plus agréable qui soit. Si l'homme lui donne un sac de riz, elle va lui sortir un bon tchiboudjien. S'il lui donne de mauvaises paroles,
Eh bien, va lui sortir aussi quelque chose qu'il ne va pas reconnaître.